les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la carrière de Concarneau. On est 8ème. Et on va aller chercher à la fin de cette vidéo qui va durer, je pense, plus d'une heure. Plus de. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais ça va durer longtemps. Car il reste. Bah, 6 matchs en fait. Ouais, donc ça va pas durer longtemps. Ça va durer quelques temps, mais pas longtemps. Quelques temps, mais pas longtemps. Déjà, il fait chaud, je vais mettre la clim. Si on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. C'est un peu mon foutu. On est impatient de savoir qui va l'emporter aujourd'hui. La réponse, tout de suite. Atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats. Une affiche qui se joue dans une ambiance assez extraordinaire. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Attends. Et le tir, voilà, c'est, bon, c'est contré. J'en fais des choses. Et la France qui vient seulement, qui vient de remporter sa première médaille d'or des Jeux Olympiques. Qui est la première médaille d'or des Jeux Olympiques à être remportée d'ailleurs. Elle a bien tiré dans la surface. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Oh, la frappe! Oui, bien défendu! Que je t'aime, que je t'aime. Vas-y, 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 moi je t'attends, moi je t'attends. Moi je t'arrête tout de suite. Ballon pour une frappe. Allez, ballon boxé du point. J'ai mis où mes lunettes, moi d'ailleurs. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et attention là, on nous dit qu'un but vient d'être marqué. C'est dans le match de FC Lorient. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur des joueurs de Lorient. Ah. Un but à zéro donc, alors qu'on joue depuis 15 minutes ici. Ouais, merci Laure et surtout, tenez-nous informés de la suite. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Ouais, superbe défense. La balle récupérée très haut sur le terrain. Bonne intervention du gardien. Il y a quoi de mieux qu'avoir ces lunettes? Par contre là. Alors. Le corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Attention à cette frappe. Excellente intervention. Encore un arrêt du gardien qui capte bien le ballon. Quand on regarde la possession depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. C'est l'occasion de prendre l'avantage en usant les jambes de leur adversaire et en les faisant courir derrière le ballon. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Là-dessus. La défense ne se pose aucune question, ballon dégagé. Yanis Merdji, ah, c'est bien fait ça sans faute.
Jean-Kévin Duverne. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Attention, quel arrêt, quel réflexe! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Le ballon est dégagé. Oui, voilà, ça combine. Et attention à cette frappe. Et oui, c'est dedans. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Ça, c'est ce que je déteste. Pour l'instant, tout va bien pour Nantes. En plus, c'est juste avant la mi-temps, c'est encore moins cool. Belle ouverture pour la frappe et le ballon qui est bien écarté. Un petit aparté, vous le voyez, simplement pour vous rappeler le programme qui nous attend. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. Ballon pour égaliser et le gardien était bien vigilant. Et voilà, le changement s'effectue. Pour le public, ce corner, c'est une vraie occasion d'égaliser. C'est d'ailleurs leur première vraie chance depuis un moment. Le corner. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Bon. Kaminski. On lève la tête là, peut-être un centre. Allez, ballon pour une frappe. Oui, le réflexe là, avec ce ballon. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Elle s'est finalement dégagée. Ouais, superbe défense. Allez, le tir contré une nouvelle fois. Il y a un contre à jouer maintenant. Et pour rappel, au programme, nous vivrons bientôt un match de Ligue 1. Le FC Nantes affrontera Strasbourg. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Arrêt de jeu. Et donc l'entraîneur est... Ah putain. J'ai la gorge qui gratte. Et c'est une frappe. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Attention là, on nous dit qu'un but vient d'être marqué, c'est dans le match du FC Lorient. Oui Benjamin, c'est le troisième but en faveur des joueurs de Lorient. Le score est maintenant de 3-0 après 71 minutes de jeu. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. L'arbitre laisse l'avantage. Ah, la perte de balle. Ah, le contre est possible. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Et vu le peu de temps restant, un but sur ce corner, c'est la victoire. Voilà, l'arrêt de fin de match, il était beau. Oh punaise. L'arrêt en fin de match, il était beau. Wow. Ok. Ah, ça va, on reste 8e. Mais bon. Décollage dans un axe. C'était un soutien.
combien de points d'écart ils vont prendre. Mais... faire de grands matchs dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Le football, c'est la meilleure excuse qu'on a trouvée pour se rassembler. C'est une récréation existentielle. Voilà, existons. Voilà la compo officielle. 4-5 ans offensif ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Une disposition 4-5 ans, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. France, Brésil. Ah ouais. Bon ballon à jouer. Au moins, il est féminine, c'est directement dans la compète. Oh, il s'est bien servi. Ah, le ballon traîne, attention. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Et voilà, cette parade lui permet de maintenir son équipe dans le match. Ah, tu crois quoi? Tu crois que je vais me laisser perdre? Alors on essaie de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Passe coupée au bon moment, bien joué. Attention parce que là il y a un but qui vient d'être marqué. C'est dans le match de l'AS Monaco. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour Monaco. Un but inscrit par Tammy Abraham sur un ballon qu'il n'avait plus qu'à pousser dans la cage. Un but à zéro donc, alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu. Ouais, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée, ouais. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. Pressing haut sur le terrain. Et c'est une frappe. Intervention du gardien. Vers le point de pénalty, la défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Ah, elle est contrée cette frappe. Et la frappe, et oui, le tir. C'est un ballon capté sans ça, c'est pas le meilleur. Mais bon. Il faut apporter le danger maintenant. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et voilà, on ira plus loin. C'est la mi-temps. Vous n'avez pas aidé, hein, franchement. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Un but dans une autre rencontre et c'est le match de l'AS Monaco. Oui Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de Monaco. Un but inscrit par Tammy Abraham. Son deuxième but dans cette partie, sur un ballon facile à exploiter, mais bon, encore fallait-il être bien placé. 2-0 pour l'instant, alors qu'on joue la 50e minute de jeu. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. On le voit à l'écran, un bref rappel pour vous dire que le foot continue avec une rencontre à venir. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Ouais, c'est bien vu cette passe. Un ballon magnifiquement écarté là-dessus.
pour pas amener un peu de danger là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Il y a du monde là, quelques possibilités. Le ballon en touche. Allez, changement donc, et des deux côtés. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ah, je suis remplacé. Ah non, c'est juste moi qui ai appuyé sur pause. Attention, grosse occasion. Vamos, c'est bien, c'est magnifique. Dans cette fin de match, enfin. Un important à un moment clé, ils prennent l'avantage, 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. Pour quand soyez et soyez quoi? Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Unai Ben Seddor. Le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Il frappe. Et peut-être une chance d'égaliser in extremis avec ce corner. Bonne possession offensive. Allez, il repique, il est attiré par l'axe. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Attention, parce que là, il y a un but qui vient d'être marqué. C'est dans le match de l'AS Monaco. Oui, encore un but pour Monaco. Un but inscrit par Tammy Abraham. Encore lui, marqué de la tête. Au tableau d'affichage, on est à 4-0 maintenant, alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Une minute d'arrêt de jeu. Ça y est, c'est donc la fin du match avec une explosion de joie dans le stade parce que c'est une victoire. Je me cache. C'est une courte victoire. J'y peux rien, il y a la cérémonie où une victoire quand même et trois points dans le sac à dos. Médailles. Ici. Ah, je suis l'homme du match même. Ah, ça c'est beau. C'est même moi l'homme du match. Ah, leader invincibilité, 13 matchs sans encaisser. 16 buts encaissés. On est 7ème. Il faut être 6ème. Les gars, on peut le faire. Ouais, c'est limite quand même, mais on peut le faire. Encore. Ah oui, oui, attends, faut que je fasse un truc. Voilà, c'est bon. Ouais, je fais 500 000 euros de dons à un hôpital. Et je donne tout mon argent. Eh, Strasbourg. Hop. Rendez-vous
seconde, la pluie tombe sur la pelouse et ça peut avoir de l'influence sur ce match. Oh putain, on a la méno. Oh yeah. Ah c'est bon, on a perdu. Enfin bon, quand tu vois les matchs amicaux. Ligue 1 Uber Eats avec un match qui s'annonce passionnant. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est ça l'atmosphère des grands événements. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football. C'est la. Oh, la bonne frappe. Eh oui, c'est une récupération. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Une position assez offensive avec ce 4-5-1. Ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Voilà, la composition officielle de cette équipe. L'équipe dans le même 4-2-3-1 que les adversaires. L'animation de ce milieu de terrain surchargé. C'est ça la clé de cette confrontation. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Attention, s'il y a un but là dans le match du stade de Reims. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de Reims. 1-0 donc. Et c'est un match qui a débuté il y a 20 minutes. Ah, merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Il y a du monde en soutien. Et le centre en retrait dans la surface. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Ayane Munoz. Persic. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. La puissance était là, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Qui vient d'être marqué là dans un autre match, c'est la rencontre du stade de Reims. Oui Benjamin, c'est le deuxième but pour le stade de Reims. On en est donc à 2-1 alors qu'on joue ici depuis 39 minutes. Ok, merci Laure et surtout, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. Ah non, ce ballon est bêtement perdu. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Bon. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. 0-0 face à Strasbourg. Les deux équipes vont parvenir à prendre le dessus. Bien. Ah. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et au programme des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. Strasbourg affrontera Clermont. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ouais, je gêne un peu. C'est contré, in extremis. Et
La balle est interceptée. C'était pas très intelligent ça. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Mais pour le gardien, là, c'est une affaire facile. On le voit bien dans les chiffres. Les équipes sont dans l'observation. Elles ne veulent pas se lâcher, prendre des risques. Il faut moins d'anxiété pour créer des occasions. Un petit rappel, vous le voyez sur l'écran, le foot continue avec un match qui va vous plaire. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Interception réussie, ballon récupéré. Bonne progression dans le camp adverse. Attention pour mener au score peut-être. Vamos! Je célèbre Cosmos Strasbourg, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un jeu. Le foot pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti. Je t'aime Strasbourg, mais désolé, mais là. Le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Et un tété. Pardon. C'est pas mature ce que je fais. Oui. Pardon. Mais 7ème. Oh putain, on pourra jamais. Attends, si on finit 6ème, c'est un exemple comme ça, tout simple. Si on finit 6ème et qu'on, par exemple, je sais pas, imaginons, on finit. Ouais, on finit 6ème. Est-ce qu'on pourrait quand même se qualifier? C'est juste un exemple. Hein. Non, on pourrait pas. Donc il faut qu'on finisse la saison avec très haut. Plusieurs. Un match décalé, lequel? Nice. Hein. Décalé de un jour, tu me fais chier pour ça. Là, qui fait un peu nuit là. Si on aime le coup, c'est pour vivre intensément ce genre de moment. Décollage dans un instant. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Pour vous faire vibrer pendant ce match, le duo da Fonseca da Silva, la team Dada au grand complet. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1. L'ambiance est déjà au maximum ici. Le football, c'est ça qui nous rassemble. L'amour, la grâce, la fusion. Dilatez vos chakras. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Voilà la compo officielle. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Côté niçois, voici le 11 qui va débuter. 4-5-1 offensif, ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Intéressante peut-être à retenir concernant le parcours de l'équipe locale cette saison, c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts jusque-là. Le gros point fort de l'équipe locale, c'est sa grande efficacité défensive. On ne le sent jamais débordé, elle reste toujours très lucide.
peut-être l'occasion de prendre l'avantage. Bonne intervention du gardien. Bon. Ballon vers la surface. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Il y a du soutien en attaque. Et bon arrêt du gardien. Gaëtan Laborde. Ballon pour Mofi. Ouais, une bonne charge. Pour McAllister, Laborde reçoit le ballon. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ouais. Perte de possession là. Gaëtan Laborde. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Bon, ça. Bon allez, attendez juste une seconde. J'ai autre chose à faire moi. J'ai un match de l'équipe de France à regarder et j'ai mis où ma tablette? Je sais même pas si c'est la batterie. Je sais même pas où je l'ai mis. Parce qu'il faut que je regarde le match du Japon. Les gars, le Japon il met d'entrée ils mettent 5-0 les gars. C'est bien 42% c'est bon. J'arrive tout de suite, mais très bien. Mais en tout ta mise à jour, tu te mets là où je pense. Rien à plus. Qui a dit que j'avais gagné plus? Et un, et deux. Comme les commentateurs de France 2 m'avaient tué à ce moment. Je chante pas ça, c'est vrai. Putain, c'est les États-Unis, c'est pas le Brésil. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Le ballon en touche. Et ça s'affiche, on en profite donc pour vous rappeler ce qui nous attend. Le Japon, c'est pour ça, ouais. Un bon moment de football qui arrive. Eurosport 360. Pour McAllister. Ouais, balle au pied, c'est une bonne progression ça. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Ballon récupéré sur cette bonne intervention. Attention parce que là il y a un but qui vient d'être marqué.
et c'est dans le match du Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur du Paris Saint-Germain. 1-0 donc. Ouais. On joue actuellement la 64e minute de ce match. Et merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Un corner qui est bien ajusté. Et voilà un nouveau corner. Au final, il nage quand même dans des piscines et pas dans la Seine. Ah, c'est n'importe quoi tout ça. Attention, la défense a le ballon, mais il y a encore danger. En fait, la France, c'est le pays de la surprise. Elle peut créer des surprises comme la cérémonie de hier. Hein. Tout le monde a été bouche bée. Tout comme elle peut la première demi-finale, être un pays de conneries. De voir des choses très intéressantes. Maintenant, on veut voir. Peut être un pays de surprise comme un pays de conneries. Téléphore, du spectacle. Et oui, parce après, que un des pays matchs con, comme ça, oui. Ce sont aussi des grands spectacles. Pas besoin de voir les statistiques pour mesurer la timidité des deux équipes. Si tu te retires pour jouer, jamais tu ne pourras prendre du plaisir. Il pressionne à cette occasion, regardez. Frère, tu me mets pas les... Encore danger. La frappe. Attention, il y a danger là. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Ah, le ballon chier, là. Est enfin contrôlé. Plus que 5 minutes à jouer encore. Waka waka. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être déjà, le chaos. Le déjà, alors c'est chiant, c'est encore pire. Observation. Fin de match. Le but. Le but en fin de match. 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 Magnifique. Oh là 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 là. Là, c'est pas les JO, c'est la Ligue 1. Et c'est tout aussi incroyable. On aime le sport, on aime le foot, on aime le sport, quoi. Que vous soyez gros et moche, vous aimez comme le sport. Je fais pas figuration, moi. Merde, je vais encore faire prendre quelque chose. Je laisse la cinématique. Philippe Honneau. Mais je vois pas quel Eurosport c'est, moi, là, vu que tu cherches rien du tout. Voilà, le match qui reprend. On va faire au hasard, celui-là. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Ah, mais attends, est-ce que ici. Ah, c'est bon. Allez, ça y est, on va donc en rester là dans ce match. C'est et pas ça bon. Se termine avec une victoire à domicile. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais qui a fini par venir en fin de match. On se bat pour la place à l'Europe. Tu crois quoi, toi? Ouais, le PSG, ils ont fait un match nul contre tout le monde. Les gars, on est sixième. Gerny. Oh putain, je me fous de la gueule du PSG, c'est le dernier match. Ma. Et on est sixième. Quand même sixième le gars. Franchement. Sixième. On est sixième. Les gars, vous avez compris? On est sixième. Mais avec ces connexions de merde là, punaise, j'ai l'impression de vivre dans. De toute façon, quand t'es dans ta chambre, t'as jamais de connexion internet. Regarde cette équipe de malade. N'importe qui en tomberait amoureux. Concarneau. Les quelques secondes avant le match, c'est déjà un peu le match. La tension monte, les visages se crispent. On sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Putain, il a un sépif allemand. Une seule certitude. Pardon. Il est impossible, évidemment, de prévoir l'avenir. Que nous réserve ce match? Jusqu'où iront nos émotions? Je peux vous le dire, ici, la pression est palpable. We'll be right back.
qui va sortir vainqueur de ce choc. On va le découvrir dans connecté sur internet. Bonsoir à tous. Pourquoi je suis connecté sur internet? Très douce ici. Donc, je suis connecté à internet, mais sur internet. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Où? Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva est donc mon acolyte. C'est qui ça, direct au télescope là? Et au programme, ce ta grande sœur. On aime retrouver la Ligue 1 avec cette rencontre. Quand on aime le foot, oh, superbe réflexe. On va se calmer un peu. Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. 360, voilà. Après, est-ce que c'est bon? Moi, je veux voir le Japon jouer. Hein. Ouais, c'est la France et le Japon. Allons vers la surface. Long ballon. Ouais, là, je suis en train de voir le Japon, Australie, mais c'est pas la même chose. C'est du badminton. Cabral, ouais, c'est les féminines en plus. Et pour le donner place. Donc, c'est pas le bon truc. Moi, c'est le football. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, l'intervention du gardien. Magnifique. Vous savez, les japonaises sont quand même les plus belles. Le mec. Mais c'est pas ça que je veux voir, mais le souci, c'est si j'ai des hommes 3 à droite là. Et la frappe. Oh, c'est contré. Et déjà, c'est quoi le match là? Tout le stade bondit comme un seul homme. Fabuleux. Parce que ça, c'est plus un match de handball que de football. C'est un corner bien, je veux bien frapper. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est un match de handball, effectivement. Et Karabatic. Place pour la réception. Le ballon pour Cabral. C'est la France. Je vais faire quoi? Regarde le Japon jouer. Mais là, c'est les japonaises. Je fais quoi là? Ah, il y a un dilemme. Il y a les japonaises. Le Japon football, c'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque France. Pas grand chose franchement en annonçant. Et il y a le football France. Ah, il c'est a un jamais dilemme. Vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Attente, regardez ce qui se passe. Et le couillon. Bien vigilant. Le danger est éloigné. C'était un gros dilemme de regarder. Là, on va prendre pour un obsédé. C'est une blague pas. Avec les japonaises, c'est une blague. Je dis pas les japonaises pour moi sont une partie des femmes les plus belles. Hein, vous avez un souci? Attention, moi à je vois action. Pas lui. Elle le parade, mais le ballon est toujours en jeu. C'est sûr, les Australiens. Cette attaque s'arrête là. Oh, on va pas juger les gens à cause de. C'est quoi, je vais mettre le match de football là-dedans et. Attention. Bah, le Japon, je suis désolé. C'est le match de Toulouse. Oui, je devrais m'acheter un troisième écran. Un but à zéro, donc. Pas si je devrais m'acheter un écran pour chaque match que je regarder. Et le gardien qui écarte bien le danger et c'est dévié sur le poteau. C'est quoi France 3? Mais France 3 ils ont dit qu'il y avait le match de foot. Ils sont cons franchement. Ah c'est peut-être France 2. Pardon, on va reprendre là où vous avez interrompu. Mais Toulouse vient d'inscrire un but, disait-on. L'équipe prend l'avantage dans ce match 1-0. Ok chef. Je m'en fous. Ludovic Place. Attends, j'ai regardé les Japonais jouer au badminton. Matteo Scugna. Moi je vais vous dire pour les Jeux Olympiques. En première position, je suis pour et la France. Voilà, en, train en deuxième, de le Japon. Le en troisième, j'en ai plus rien à foutre. Oh, le ballon là qui est repoussé. Sacre ambiance avec le qui ça qui vivre avant ce corner. Première occasion de mener des. Eh les gars, à un moment, je vais craquer si ça continue. Hein, je le dis. À un moment, ça va rentrer. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Eux, c'est des Danois. Un maillot rouge. Ici l'occasion pour mener. Et non, le ballon ne trouve pas le cadre. Toujours 0-0. Ouais, ça peut être des Suisses. Hein. 0-0. Ils ont plus dit que le jeu danois. Pas fini. Ouais, c'est Danemark, c'est sûr. Avec leur gueule et leur maillot rouge, ouais, c'est des Danois. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Ouais, je suis vraiment le pire. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des buts. Ouais, je dis but en dernière minute encore. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ouh, attendez, il y a un but là qui vient d'être marqué. C'est dans le match de Lille. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but. France 2. Le LOSC
En France 2, c'est la France Football. Merci Laure, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oui, c'est la France Football. Mais pourquoi il y a marqué France 3 ? Les affiches à suivre bientôt ensemble, notez cette rencontre de Ligue 1, Rennes. Ouais, c'est marqué France 3. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre logique. Tu n'as qu'une envie. Putain, et Foot Mercato, faut pas se fier à Foot Mercato, moi je dis. Faut se méfier à vous. Nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. Ouais, on regarde les Japonais jouer. Hein. D'ailleurs, elles étaient très belles. Bon, on va regarder la France en balle. Contre. Je veux bien le Japon. Giovanni Cabral. Les Japonaises aussi. Les Françaises voilà aussi. Dans la dernière demi-heure de jeu. Bon, après les Françaises, c'est normal. Je suis français, je vais supporter les Français en premier. Dans le match du Stade de Reims. Oui, Benjamin, c'est le premier but. Je suis sûr, il y a un couillon, il va me poser dans les commentaires. Et si la France-Japon, tu supportes qui ? Honnêtement, que le meilleur gagne. Et encore mais un la France pour conserver ce score de parité. Ça aurait pu être dire la boîte, mais on reste sur ce 0-0. Et que le meilleur gagne. Ouais, changement donc, et des deux côtés. Et le ne passe pas. Le... On regarde où le match de foot là. Je suis encore sur le rugby. On balle messieurs. Je t'emmerde notre balle. On respecte chaque. Il a mis le temps. Ah. Beansport. Peut-être Eurosport 1. Attends, il est où le sport ? Sport 4. Gymnastique artistique. Oui, j'ai vachement envie de regarder ça. Handball, Danemark-France, volleyball, badminton. Water polo, ok. Ouais, c'est le Danemark, j'avais raison. Attends. Ah, moi je suis en train de faire traîner la vidéo, je pense que j'arrive pas à regarder le match. Qu'est-ce que ma gueule là ? Moi je vais regarder foot là, tu te fous de ma gueule. Alors, sur France 3 ou Eurosport 5 ? Ok. Maintenant c'est dit. Eurosport 5, allez. Eurosport 5. Putain, ils sont pas compliqués. T'as la 1, t'as la 2, t'as la 360. Cinq, France-Guinée. Voilà, putain! Ah, le match il a commencé déjà depuis 10 minutes. Non, je rigole. Il est 21h. Il est même pas 20h. Ah, si, 21h. Ah, mais non, mais j'ai envie de piler un câble là, putain. Ouais. Voilà, maintenant les gens ils vont m'insulter dans les commentaires. Putain, mais Rouen n'a rien à foutre là, sérieux. Voilà, vous le voyez, c'est juste le temps de vous rappeler qu'on aura le plaisir. Je m'en fous, je vais perdre comme une merde. Et encore une fois. Quand on parle de football, Romain, t'es violent, tu devrais arrêter. On parle évidemment de football. Pas de merde comme toi sur YouTube. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'arrêterai pas. Ballon perdu, c'est rendu même. Le fait. Ah, j'ai compris le pied. Matteo Scugna. Ballon pour Ludovic Blas. Putain, le Paraguay, il a gagné 4-2. Oui, il y a la place pour un bon centre. Oh, il s'est bien donné en retrait dans la surface. Non ! Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Oh, 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 oh. À chaque fois.
À chaque fois, à chaque on le revoit fois, dans la cage. Chaque... On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de... Voilà, merci Omar. Merci. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Sur le fait, ouais, c'est pour Guiri. Mateus Cunha, très bonne intervention. Oups, là, on signale un but. C'est dans la rencontre de Lille. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de Lille. On en est donc à 2-1 après 85 minutes de jeu. Ouais, merci, Laure, et surtout, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Ouais, bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Plus que 2 minutes à jouer. Minimum, Ludovic Blas. La fin du match est donc une journée à oublier après ce déplacement. 0 points de plus. Une défaite d'un tout petit but dans ce match. C'est un répondre point. Bon, là, s'ils ont perdu, donc c'est bon. Ah mais non, pas 7ème alors. J'ai le plaisir de t'affirmer que j'étais sélectionné pour faire partie de l'équipe de France pour la prochaine compétition Coupe internationale masculine. Ouais, on va jouer à la Coupe du Monde. Attends, on est en 2026, on est d'accord. Oui, on va être champion du monde, moi je vous le dis. Le mec, il joue à Concarneau et il sera champion du monde. Ouais, il y croit beaucoup, lui. Je suis d'accord. C'est terminé. Moi, j'ai envie de voir la France, mais bon, j'ai l'impression qu'ils veulent pas avec le match. Là. Eurosport, changez, s'il vous plaît. Ouais, c'est sûr, il y a les séries, le cinéma, les jeux vidéo, les potes, les sorties. Les potes, lequel ? Il y a le football, ce football qui nous accompagne, le foot qui nous procure tellement d'émotions qu'on finit tous par parler comme Omar Da Fonseca. Viva el football, allez là, faites-nous vibrer, transmettez l'émotion, la passion, la pelota. Laquelle de ces deux équipes va s'imposer ? La réponse dans quelques minutes. On ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade. La team Dada, comme d'habitude, attends, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. La Ligue 1 Uber Eats, dont on va assister au dénouement avec ce dernier match qui nous attend. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. Et aujourd'hui, c'est le dernier match de la saison pour les deux équipes. Et on espère qu'elles auront au cœur de terminer en beauté. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive qu'il en a l'air. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Bruno Fernandes sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Attention parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué sur un autre terrain. C'est sur le match de Clermont. Oui Benjamin, c'est le premier but pour Clermont Foot. Un but à zéro donc, alors qu'on joue ici depuis 11 minutes seulement. Ok, alors c'est noté, merci pour l'info. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Oui, il faut frapper maintenant. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Malheureusement, la possession est perdue. Et
Et on me signale un pénalty qui a été sifflé sur une autre pelouse. Laure, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et oui, Benjamin, un pénalty sifflé pour le Stade de Reims. Il y a un pénalty manqué. Pas assez de conviction dans cette frappe. On a tout de suite senti qu'il n'était pas dans un bon jour. Bref, score inchangé, toujours un but à zéro. Et on joue ici depuis exactement 24 minutes, Benjamin. Voilà, c'est bien noté. Merci, Laure. Et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Carlos Soler. Lee Kang-il. La possession change de camp. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Fabian Ruiz. Ah, attention, là on signale un but. C'est dans le match d'Angers. Oui, deuxième but à l'instant en faveur d'Angers. On en est donc à 2-1. Attention pour mener au score peut-être. Oh, quelle intervention là, bien joué. Et attention à cette frappe. Oui, bien défendu. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Japon-Mali 0-0. Oh, le Guinée, c'est comme le drapeau de la Côte d'Ivoire et de l'Irlande. Guinée-Mali, c'est comme le drapeau de la Côte d'Ivoire et de l'Irlande. C'est le rouge et le vert est inversé. Comme l'Irlande et la Côte d'Ivoire. Le orange et le vert est inversé. C'est récupéré, ça. Il y a un but là dans le match du Stade de Reims. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de Reims. 2-0 pour l'instant, dans un match qui a débuté il y a 52 minutes maintenant. Ouais, merci, Laure, pour l'info. Et imagine, t'adores regarder France 2 ou France 3. Tu rentres chez toi, t'allumes la télé, t'as direct France 3 ou France 2. Mais le souci, c'était en mode mais t'aimes pas le sport. Et là t'allumes. Oh putain, fais chier. T'as que les Jeux Olympiques, ça casse les couilles. Ah oui, est-ce que j'ai tort? Non, j'ai toujours raison. Carlos Soler. Mais la possession change de côté. Sinon on se poserait de moi si je suis une femme ou un homme. Nous sommes dans les 30 dernières minutes. Un homme a toujours tort. Non. Il a pas toujours tort. Il a des fois raison. À la différence d'une femme qui a toujours raison. Un homme peut avoir raison, mais lui, il aura raison et tort. Il peut avoir raison et tort. Alors qu'une femme n'aura jamais tort. Elle aura toujours raison. Là est la différence. Eh, c'est la vérité. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Est-ce que j'ai tort ou raison? C'est à vous les femmes de me dire si j'ai raison ou tort. Parce que si j'ai tort, ça veut dire que vous avez toujours tort. Il frappe. Par contre, ah, si j'ai raison, c'est que vous avez toujours raison. Ce n'est pas. Tort. C'était chaud là. Non, c'est dégueulasse. Ah, mais attends, je comprends pourquoi je trouve pas de copine dans le match de femme. Et oui, c'est le troisième but en faveur d'Angers. Qui porte le score à 3-1, tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Voilà, c'est bien noté. Merci, Laure. Et donnez-nous. Je veux voir la France. Mets-moi la France. Je m'en fous de ta pub là. À nouveau pour Ousmane Dembélé. Ah bah quand même, enfin. Putain, il en a mis du temps. Une grosse occasion pour passer devant. Et ce corner, bien sûr, c'est une occasion de... Ah, c'est, et là, tu me sors. On perd, je t'encule. Voilà, c'est bon. Pardon. Ah, oh, il est sorti tout seul. Ah, je suis désolé. Ah, oh, il est sorti tout seul. Pays de Galles, Islande, Mexique. Yosh. Et on a fini. 8ème. C'est pas mal, hein. En vrai. 8ème, 20 buts encaissés. Actu.
Alors voilà, le meilleur gardien de la compétition révélé, c'est Bibi. Ça m'étonne même pas. Orban soulier d'or. L'équipe de la compète publiée. Donnarumma meilleur gardien, tu te fous de ma gueule. Impossible. Ce n'est pas possible. Donnarumma, je t'emmerde alors. Actu club. Annonce son équipe. Alors gardien. Romain Durand, Mike Maignan, Lucas Chevalier. Je veux voir l'attaque. Bah déjà, on va se dire au revoir les amis. Au revoir. On va faire la Coupe du Monde dans une prochaine vidéo. Bon après, si la vidéo dure 2 secondes, je serais vachement aidé. Donc voilà les amis. J'espère que la saison prochaine, on va y aller. J'espère que la saison prochaine, on arrivera à être qualifié en Coupe d'Europe. À se qualifier en Coupe d'Europe. Parce que on y était presque, on est arrivé 8e. Franchement, c'est déjà pas mal hein, avec Concarneau. Et quand tu dis que à l'heure actuelle, le club. Voilà. À 3,5 étoiles. Alors qu'au départ, il y en avait 1,5 étoiles. C'est franchement top. C'est super. J'espère qu'on va passer à 4 étoiles pour la saison prochaine. Donc les amis, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les amis, à la prochaine.